Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freeradattitude.com, le spécialiste des sports de glisse sur internet. Salut, c'est Alex et Jimmy pour la Freeride TV. Alors là, on a essayé la ride Berserker 161 wide. 162. 162 wide. Bon, ben super planche. Hein. Là, j'ai. Moi, c'est tout à fait un peu mon programme, c'est le planche que j'aime bien. C'est ferme, mais c'est pas super rigide, voilà. C'est une planche qui reste ferme, bien sûr. On peut vraiment rentrer dedans. Il y a une accroche de folie. Ça marche super bien. Cambre classique, gros rocker à l'avant, petit rocker à l'arrière, bon gros rocker à l'avant. Bon, c'est son programme, c'est freeride, donc ça déjauge super bien en poudre et tout. Bon, même si on n'a pas trop essayé la poudre aujourd'hui, mais c'est une planche qui est super facile, qui est ferme, mais qui reste super accessible. Je pense que ça peut être un rider intermédiaire peut commencer avec ça et il emmènera jusqu'au bout, même un confirmé. Super bord. Après c'est vrai que dès les premiers virages, on voit que c'est quand même une planche voilà, qui est faite pour attaquer, relativement puissante, qui a beaucoup d'accroche. Voilà, c'est une planche où vous pouvez attaquer et tout, il n'y a pas de souci, ça va bien tenir à haute vitesse. C'est une planche qui est ferme avec du caractère, qui va s'adresser quand même à des riders plutôt confirmés. Mais voilà, c'est une super planche polyvalente, dans un esprit freeride polyvalent, avec un bon rocker ici là en hop. Voilà, hein, on voit que le rocker est assez prononcé là ici sur la spatule avant, un peu plus petit que disait Alex sur la spatule arrière. Donc du coup en poudreuse on va déjauger super facilement avec beaucoup de confort, sans de pression sur la jambe arrière. Donc voilà, très 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 bon cru encore la Berserker, de toute façon on sait c'est une valeur sûre chez Ride. Voilà.